Donc on a Keter, ensuite Rochma, et maintenant on arrive à la sphira qui s'appelle Bina. Vehu lashuv bitshuva, she'en davar hashuv kamoa, mipene shehi metakenet kol pgam. La Bina, c'est la source de la tshuva. Comment un homme peut être comparé à la Bina, peut se rattacher à la Bina? La Shuv B'Tshuva, l'Arzor B'Tshuva, c'est pas que à Elul, en Elul, ni à Rosh Hashanah et Kippour. Et la Shuv B'Tshuva, c'est chaque instant. Toute l'année, on a une mitzvah, l'Arzor B'Tshuva. Shim et Takenet Kol Pgam. La Tshuva répare toute Avera. Tout. Tout, mamash, ken, tout, c'est Rambam. On n'a pas les Sfarim encore. Cette semaine, on aura les Sfarim, on aura les Sifriot, on aura ce qu'il faut. Mais on peut sortir le Rambam, il Tshuva, qui dit que la Tshuva répare toutes les Averot. De la même façon que la Bina adoucit tous les Dinim, toutes les choses qui sont dures, comme le foie, dans lequel passe le sang, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le travail du foie? Il nettoie le sang. Ron, pareil, la Bina, elle nettoie les dinim. Quand il y a des dinim dans le monde, quand il y a des dinim sur l'homme, la Bina, elle les met mateket, elle les adoucit. Kach ha'adam yashuv b'tshuva v'itaken kol pgam. Umi shemeharer b'tshuva kol yamav gorem shetair ha'bina b'chol yamav. Celui qui fait tshuva toute sa vie entraîne que la Bina éclaire sur la personne toute sa vie. Il dit kol yamav teshuva. Daino lichlol atzmo bina shiha teshuva. Qui c'est? Hein? Ah. Qui livre en silence? Si. דהיינו לכלול עצמו בבינה של התשובה וימי חייו מעוטרים בסוד התשובה העליונה. אם זה נפלא, כאן המסור חוזר בתשובה, שק אינסטון, שק ג'ו. ליקת חתום, כאילו הארי, רבנו הארי, נוזה דבולה, כיסון פרופיס על התשובה, קט מומו. פרמייר, זה עבר ראש השנה. דרני ז'ור דלני. איליה, לדרני ז'ור. Du mois, toutes les veilles de Rosh Chodesh. Il y a le dernier jour de la semaine, toutes les veilles de Shabbat. Et le dernier moment de la journée, qui est le soir avant de dormir. Ça, c'est les quatre moments qui sont propices à la tshuva. Faire tshuva tous les jours avant de dormir, faire tshuva tous les Erev Shabbat, dans la tfila de Arvit, avant de dire Atakidash Tayyum Shivil Ishmecha, Tachit Ma'aseh Shamayim Va'aretz. Là-bas, avant de dire ça, c'est la raison de tshuva. Tu vois, c'est pas dur. La zambe, tu vois, c'est à partir de maintenant que j'arrive mes actions. Quelle heure j'arrive à Shachrit jusqu'à maintenant? 7h02. À partir de maintenant, 7h. C'est la zambe, tu vois. J'étudie pas de Moussa. J'étudie du Moussa. Si j'étudie qu'un quart d'heure, je vais étudier une demi-heure. Je faisais pas attention à ça, maintenant je peux faire attention. Neti la tedaim, brachot bikavana, bechule, bechule, hélas. On arrive, Erev Shabbat, tfilat arvit, mekudash, meod, un ami monte, madriga, eliona. Dans tfilat de arvit de Shabbat, il est mitkadesh. Là-bas, avant de dire atakidashta, et tiens ma chéviri, alors il est maher, il est mekabel, l'arzor bituva. Ça, c'est un des moments dans la semaine. Ah ben là, il met tous les soirs, il faut faire tchouva. Kirachema la mita, faut bien le faire. Faire Bekavana, prendre son temps, prendre le sido. Asherai celui qui va faire Kirachema la mita au Bet Midrash avant d'aller dormir. Et du Bet Midrash, il va dormir. Même s'il y a plus de temps qui va passer. Ça va prendre une demi-heure ou 20 minutes, le temps qu'il s'organise, etc. Du Bet Midrash, il a fini d'étudier. Il dit la tfilat de Rabbi Nehemia ben Akana. C'est une alakha dont je crois, il ne faut pas oublier de la dire, cette fille-là. Il dit, Moderni Lefanecha, tu es le rabbin Hounia ben Akana,
Ensuite, il fait Kiryat Shema à la Mita. Je suis à sa place, habillé. Pas besoin de mettre le pyjama pour faire Kiryat Shema à la Mita. Il fait ce Kiryat Shema du Bet Midrash. Il va au lit directement. S'il est obligé de prendre une douche, ouais, prends ta douche. T'as dit bon. Ashrav Ashrekor Rabotai. Dans deux semaines, moins de deux semaines, on rentre dans Parashat Shemot. Shovavim, Tikkunim, Tikkun Abrit, Tshuva. C'est les semaines, les grandes semaines qu'on a dans l'année de faire Tshuva. C'est là. Ça passe très vite, il faut se préparer à ça. Ashrav Ashrekor, celui qui est Mitkadesh, Mitkadesh, Mitkadesh. Donc, Kriyat Shema à la Mita, ça se fait mitor comme drosh. Pas comme ça, en changeant les affaires, en mettant le pyjama, et en mettant Baruch HaBapin. On y a déjà comment. C'est bien là. Ça se fait pas par des cris, par des trucs qu'on entend des cris. Beishuada, Begdusha, Tahara. Ur'e, kikmo sha tshuva, yesh ba shoresh kol hanimtzaot besod hayovel. Regarde. Que de la même façon que dans la tshuva, il y a la racine de tout ce qui existe. Ça, c'est un peu de la Kabbalah. Top. Bina, c'est Yovel. Yovel, c'est 50. 50e année. Bina, c'est Chamishim Shari Bina. D'accord ? Shari, Shari, Shari Ratzon, Shari Slecha, Shari, 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 Shari. Combien il y a de Shari dans la tshila qu'on dit à Kippo et à Rosh Hashanah ? Il y en a 50. Il y a 50 Shari Bina. Bina, elle est comparée au Yovel, qui est la 50e année. La 50e année, elle inclut. Bon, mais ça, c'est déjà pas pour nous. Vare Shoresh Achitsonim, Sod Nahar Dinur, Anichlal, Makdusha, Vesad Agvurot, Nishra Sham, Vitpachet Misham, Vikarit, Pashtut, Haron, Af, Sod Vayara, Hashem, Etre, Hanichroach, Yachzor, Vitpachut, Awel, Mekoro, Vyum Tegu, Hadinim, Vishkot, Haron, Vinahem, Hashem, Alara. Kitsu, là c'est pas pour nous, mais en deux mots, ce que le Rav dit ici, c'est que la Bina, c'est elle-même des Gvurot, c'est des Dinim. Et tu dis les Dinim de la Bina, la Bina elle-même, elle est metakenet les Dinim. Quand les Dinim sont metakenim les Dinim, normalement c'est les Rachamim qui sont metakenim les Dinim. Elle a un Dinim tak, elle a béchanchou. Le Din est adouci et arrangé par sa racine, par la racine du Din. Comment ça, en quoi ça nous concerne? כך האדם בסוד תשובתו עושה סוד זה שלא תאמר שהתשובה טובה לחלק הקדושה שבאדם אלא גם לחלק הרע שבו מתמתק כעין המידה הזו. La même façon que la bina elle arrive à adoucir les dinim. Les dinim, c'est pas les bonnes parties qu'il y a, c'est pas la kedusha. Oui, comprenez ou comprenez pas? Les dinim, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. La kedusha, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. La bina, c'est quoi son travail? D'arranger les dinim. Quand même, il va faire tshuva. Hein. Il ne va pas réparer que les bonnes parties qui ont lieu. Il va réparer aussi les mauvaises parties qui ont lieu. Ça veut dire quoi? Il y a des mauvaises midot chez nous. Comme la colère. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. L'orgueil. C'est bien ou pas? Hein? C'est pas bien. Isha est avec nous? Oui? Tu fais de la gomara. Ah, d'accord. La colère, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Ah, mais il n'y a pas quelque chose qui n'est pas bien. Ça n'existe pas. La colère, la gava, tout ça, ce qu'il a mis à Kadosh Baruch Hu dans l'homme comme mauvaise midot, ça aussi, ça sert à l'avodat Hashem. Et quand un homme il fait tshuva, il est metaken aussi les mauvaises choses qu'il a en lui. On a du Yetzerara. Le Yetzerara, c'est bien ou c'est pas bien? Hein? C'est bien. Yetzerara? Ra, ra! Oui, ça nous permet d'écrire là-bas. D'où tu sais que c'est bien? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il a dit bah, HM qui tombe merde. C'est très bien, c'est pas bien, c'est très bien. Yetzara. Yetzara, c'est bien aussi pour pas mal de choses. Yetzara, c'est bien pour étudier la Torah. Ah bon? Oui. Parce que le Yetzara qu'on a pour les femmes, le Yetzara que l'homme a naturellement pour les harayot, c'est lui qui permet à l'homme d'étudier la Torah aussi. Comme ça, ils disent les Mekoubalim, même les Balim Moussa, ça. Quand ils sont venus pour annuler le Yetzara de Avodazara, ils l'ont annulé. D'accord ? Ils ont annulé le Yetzara de Avodazara. Ils ont voulu annuler aussi le Yetzara de Harayot. Ils disent, puisqu'on y est,
Autant aller jusqu'au bout et annuler aussi Arayot, ça rend fou les hommes, ça rend fou les gens, ils font des Averot, Miskenim, à cause des Arayot. Viens, on annule le Yetzirah d'Arayot. Ils ont dit, si c'est comme ça, il n'y aura plus Piriya Verivia. Il n'y aura plus Piriya Verivia. Les poules ne vont plus pondre. Il n'y aura plus d'œufs. Comment on va faire sans omelette? Alors, c'est pour ça qu'ils ont laissé tomber, ils ont laissé les œufs. Alors les Moussar, ils disent aussi, c'est écrit dans les Sfarim HaKadoshim, que aussi l'amour et l'envie d'étudier la Torah auraient disparu s'ils avaient annulé le Yetzirah et Arayot. Comme ça, c'est écrit dans les Shulchan. Donc on voit hein, que le Yetzirah de Arayot, c'est lui qui donne le feu aussi de l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que c'est écrit dans Avot de Rabbi Nathan. Un homme, il a des pensées, des mauvaises pensées. Il a des mauvaises pensées, il pense des choses interdites, des harayot, des choses comme ça qui viennent de sa tête. Il faut qu'il sache une chose. Pourquoi il a des mauvaises pensées dans sa tête qui viennent? C'est parce que son cœur, c'est-à-dire son esprit, est vide de chokhmah, est vide de Torah. Maïm enbo, en maïm la Torah, hachim akarim yeshbo. Il n'y a pas d'eau, il y a des serpents et des scorpions. S'il n'y a pas d'eau dans l'esprit et l'eau c'est la Torah, il y a des serpents, il y a des scorpions. L'oyarzankloum. Alors il ne veut pas dire, j'ai pas de Torah, mais moi je suis bien. Moi je suis bien dans ma tête. Non, 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 non. S'il n'y a pas de Torah, tu vas voir ce qu'il y aura dans ta tête. Que des bêtises. Que des choses interdites. Que des harayot. Alors ils viennent tous, les bachourim, parfois des avrichim, ils viennent. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec les pensées? Comment on fait? Comment on s'en sort? Les pensées, les tfilines, machin. La réponse qu'ils n'aiment pas entendre. Faut étudier la Torah. Il n'y a pas de. Si c'est pendant les mots, il faut étudier l'Ishma. Tout en marchevet arayot. Il pèse cette élève élève à panouille mais la chokma. Pourquoi? Comme on a dit, on comprend très bien. La racine, c'est la même. Si la racine, elle s'attache à la chokma, à la Torah. Alors automatiquement, celle de Arayot s'annule. Si ça s'attache au Arayot, celle de la Torah s'annule. C'est pour ça qu'un homme aussi, il n'a parfois pas envie d'étudier la Torah. Il n'a pas envie d'étudier la Torah parce qu'il a la tête farcie de bêtises, de Arayot Barminan. C'est pour ça qu'il n'a pas envie d'étudier la Torah. Sa tête est prise, captivée par autre chose, par une marshava de Arayot, par une marshava de Avera. Dans sa tête, il a la Avera. Même si c'est en. Pas en premier plan, même en arrière-plan, ça influence. Alors il arrive devant sa Gemara, il est fatigué. Ah, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Je vais te voir, moi, le jour du tioul du ski, je vais voir si t'es fatigué. T'es pas fatigué, t'as menteur. Tu t'es fatigué tout seul. Pourquoi? Parce que ta tête n'est pas remplie de Torah. Un homme qui est rempli de Torah, il peut étudier 36 heures d'affilée, comme le steppe là. Il y a quelqu'un ici qui peut étudier 36 heures d'affilée? Sans bouger. Allez, une réduction. 24 heures. Allez, 8 heures. 8 heures d'affilée. Sans bouger. Hein? Moi, j'avais un collègue, quand j'étais jeune avraire, 6 heures d'affilée. 6 heures, obligé. Très bien payé. 6 heures avec Tarni Dibo. Le vendredi. Tu commences quand tu veux, tu termines quand tu veux. Il ne faut pas rentrer dans Shabbat. Tu as le vendredi, 6 heures d'affilée. C'était le Gan Eden, il faut refaire ça. Le Gan Eden, c'était le Gan Eden sur Terre. Il n'y a plus rien qui vaut quelque chose. Rien. Tu veux étudier encore 7 heures, 8 heures, tu ne veux plus bouger. Par contre, les deux premières heures, c'est la mort. Tu sais que tu as 6 heures. Une fois qu'ils sont passés les deux premières heures, l'homme il s'est bien 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 mis dedans, c'est fini, il ne vaut plus le temps passer, il ne vaut plus rien, il n'y a plus rien qui existe. Plus rien qui existe. 6 heures d'affilée. Alors qui tu dis 6 heures d'affilée, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, il a la tête remplie, remplie de Torah, il peut passer dans son esprit une pensée, pas de harayot, de ralamazé, de manger, de boire, de dormir, ça passe, ça rentre même pas dans l'esprit, ça n'intéresse même pas. Ça l'intéresse même pas, ça lui parle même pas.
Pourquoi ? Il a le lev rempli de chokhma, rempli de Torah, rempli de Kdusha. Ah, c'est ce qui est écrit ici aussi. La tchouva, elle répare le chelek ra de l'homme. Elle répare aussi le mauvais côté de l'homme. Le yetzara qu'il y a dans l'homme, la tchouva la répare. Et son yetzara, maintenant, va lui servir à mieux servir Hachem. Son yetzara qui est la source du mal, comme ce qu'on a dit, les harayod et les mauvaises pensées, etc. Cette même source de mal, c'est elle qui va le propulser à étudier la Torah. Et l'amour qu'il a pour le mal, il va le transformer pour le bien. Tikkun, c'est ça la tchouva. Et c'est ça la bina. C'est pour ça qu'il faut se renforcer toujours dans la tchouva. Qu'il faut se renforcer dans la avodat Hashem. Qu'il faut se renforcer maintenant, on arrive, beyeme shuvavim, rabotai, on a tout pour réussir. On a un beau bet midrash, baruch Hashem. On a des bons rabbanim, merveilleux. On a la Torah Kedosha. On a tout ce qu'il faut. Aaron, on a des bons Melavé Malka. Hein, c'était bon ou pas? Hein? Pas de retour. Voilà. Les fricassés, les machins. On a du tout. Tout, on a tout. On a une bonne ambiance. La bataille. Il faut mettre le paquet dans le limoud. Il faut se préparer au Shuvavim maintenant. Ce Shuvavim de cette année. Cette année, elle est spéciale, elle est bizarre. Regardez comment on a commencé l'année. Et là, Seger, aujourd'hui encore. Comment on dit Seger? Confinement. Ils ont trouvé un nouveau virus. Ils ont trouvé un truc. Mutatia. Mutation. Hein? Mutation? Mutation. Où on va comme ça, la beauté? Où on va? On va vers la Géoula. Quand? Bientôt. On peut penser maintenant à autre chose. À Paris, je vais à Paris. On peut penser à autre chose. Ça y est, peut-être. Il faut se mettre à fond dans le monde, il faut se mettre à fond dans la Kedusha. Ce Shuvavim de cette année, il faut que ce soit le meilleur de toutes les années. On arrive l'it à l'autre, mais ça, j'ai mis l'it Kadesh, bravo d'ato. Jamais à Kenova, au Fadonai, l'Orlam. Amen, amen.